Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon petit vlog Journée Maman. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ma petite astuce quand il pleut et qu'on a une petite terrasse, c'est y jeter de l'eau javelisée pour nettoyer les sols. Je vous souhaite un super bon dimanche. Je viens de recevoir mon colis. C'est un colis qui est arrivé directement de Temu. C'est exactement comme AliExpress, exactement pareil, sauf que c'est beaucoup beaucoup moins cher. Ça arrive super vite. Voilà, donc je vous fais le tour tout de suite, je vous fais montrer. Mes petites chaussettes. J'avais plus de chaussettes et j'ai trouvé ces petites chaussettes-là. Généralement, je mets des petites chaussettes blanches, vous savez, les très courtes. Et puis là, je sais pas, celles-là, je les avais trouvées super jolies. La matière, elle est top. Vous voyez, il y a plusieurs coloris dessus. On en a des comme ça, voilà, comme ça. J'adore les chaussettes. Et j'adore les chaussons aussi. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et j'ai bien aimé ces petites couleurs assez pastel. Bah, ces mélanges de bleu, de vert, de beige. Voilà, ça c'est mes nouvelles petites chaussettes. Une petite sacoche. Alors des fois on part les week-ends chez mamie et papy et je mets dedans ma brosse à dents, mon dentifrice, mon démaquillant, ma crème de nuit. Et celle-là je l'ai trouvée trop jolie. Parce qu'elle est, regardez, je sais pas si vous voyez bien la matière, vous voyez. En plus, elle est un petit peu brillante, j'ai bien aimé. J'ai déjà rempli des petites choses à l'intérieur, regardez. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Je vous montre. Alors, j'ai ici des petites boucles d'oreilles. Regardez. Attendez, je vais vous les ouvrir. J'ai trouvé ça trop mignon avec tes petits cœurs. Je sais pas si ça fait cucu la praline, mais regardez. Ils sont mimi. Ces petites boucles d'oreilles valent vraiment pas cher. Des petits anneaux. Je les ai trouvées assez originales en fait. J'ai bien aimé. Celle-ci aussi. Et voyez, pour pas les perdre, en fait, je vais rentrer une dans l'autre. Hop. Je ferai pareil avec celle-ci. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors oui, j'avais les noires. En fait, je ne les avais jamais ouvertes. Celle-là aussi avec un joli petit haut noir. C'est hyper chic. Et ça, je sais pas pour celles qui connaissent, ça s'accroche en fait autour de l'oreille. Ça fait un peu hippie. Mais j'aime beaucoup. Ça change un petit peu. Vous voyez, ça s'accroche vraiment à côté de l'oreille. Les filles, je les ai vraiment achetées pour pas cher, je le répète. Et c'est super sympa de changer de boucle d'oreille de temps en temps. Vous voyez? Et je vous montre des petits chouchous. En fait, c'est un lot qu'on vous vend avec... voilà, il y a plusieurs petits chouchous. Regardez. Et là, rien à voir, mais j'ai trouvé ce petit chouchou, qui est un élastique pour les cheveux. Super joli. Ça change, je trouve que ça habille le cheveu. Regardez. J'ai trouvé ça super joli. Un petit chignon, vous savez, des fois on s'attache les cheveux. Je trouve ça vraiment très sympa. C'est plus joli qu'un petit élastique basique. Pour le coup, je vais vous le montrer tout de suite. Vous allez voir. Regardez, je vous le montre. Avec un chignon et tout, je trouve ça trop beau. Je vais vous faire montrer une autre paire aussi que j'ai adorée. Bon, ça, je pense que c'est plus pour sortir quand on a des réceptions ou autres. Après, vous me direz
Il y a la plupart d'entre vous qui me diraient que voilà, on peut aussi sortir avec. Elles sont assez imposantes. Hein. Il y avait en doré et en argent. Bon voilà, je suis plus portée vers l'argent, je sais pas pourquoi. Une plante, une fausse plante que je vais mettre dans ma salle de bain. 2 euros. Pour montrer autre chose. Et ça, je trouve ça que c'est super sympa en fait. Vous voyez, vous mettez vos petits bijoux dessus. Vos bagues par exemple. Je vous montre. Et en fait, vous les laissez sur votre coiffeuse ou sur votre table de chevet. Et le matin, bah, vous les remettez. Ça aussi, ça je l'ai acheté sur Temu. Les filles, je vous mets tous les liens en barre d'adresse. D'accord? Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Pour celles qui ne savent pas ou qui ne me suivent pas sur Instagram. Celles qui ne sont pas encore abonnées, ben, je vous attends. Et je vous dis donc à très vite aussi pour plein d'autres vidéos. Voilà les filles, c'est le shopping du jour. Ce soir, franchement, j'avais plein de carottes, plein de légumes, j'avais des courgettes, j'avais de la pomme de terre, j'avais tout plein de légumes. Je pense que ce soir, ça fait longtemps en plus qu'on n'avait pas fait ça. J'aimerais faire des petites boulettes de légumes. Je sais pas si je ferais ça avec une purée ou... Aucune idée. Je crois que vraiment, pour le coup, je vais vraiment... Je n'ai vraiment aucune idée. Et c'est rare parce que j'ai toujours plein d'idées au niveau des repas, des dîners. Et très sincèrement, je ne sais vraiment pas quoi faire ce soir. Et je pense que quand on a beaucoup de légumes et qu'on ne sait pas trop quoi faire, surtout que j'avais fait une soirée pizza juste avant. Oui, je vous ai fait le vlog. Donc du coup, je pense que je vais faire ça ce soir. Voilà, on va faire de bonnes boulettes aux légumes. Voilà, ça c'est quand les enfants n'aiment pas manger les légumes qu'ils y voient. Donc en fait, quand vous les faites frire, alors oui, vous pouvez les faire aussi au four. Mais franchement, ça n'a pas le même goût. Faut être franche. Et voilà, moi je trouve que c'est 10 fois meilleur quand c'est frit. Avec de l'huile. Bon, c'est pas grave, après le lendemain, on mangera léger. En fait, je sais pas pourquoi, mais tout ce qui est bon fait grossir. Et franchement, c'est une malheureuse réalité. Tout simplement. Et tout ce qui est vert fait maigrir. Vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais en plus, c'est vraiment triste parce que c'est vraiment vrai. Et tout ce qui est bon, ben voilà, ben, ça fait grossir et ça nous met des kilos en plus, un petit peu de partout, un petit peu plus dans le ventre, un petit peu plus dans les hanches et voilà. Pour tout vous dire, j'ai aussi un tapis que mon mari m'a acheté il y a à peu près 2 ans ou 3 ans. Je vous assure, si je l'ai utilisé 20 fois, c'est le bout du monde. Et je crois qu'il faut vraiment que je m'y mette. Alors après avoir mangé ces boulettes de légumes frites dans l'huile, je pense que demain, on sera dans le vert et on fera une petite heure de sport. On démarre la petite routine de la journée. Une fois par semaine, je prends toutes les couettes des chambres et je les mets au sèche-linge, même si elles sont propres, avec des petits extraits d'essence et je fais tourner mon sèche-linge pendant à peu près 10 petites minutes. Vous allez voir, essayer, vous allez avoir un lit qui sent super bon et c'est très agréable quand on rentre dans la chambre. L'essence que j'utilise ici est celle de Johnson Clean. Vous pouvez vraiment en trouver de partout. J'ai fait 2 petites quiches avec du saumon frais, des échalotes, du brocoli coupé en petits morceaux et des petits oignons verts. À côté de ça, j'ai fait des petites barquettes de bateau avec de la tomate cerise, avec de la courgette en bas, du poisson. Et puis voilà, j'ai mis un petit peu d'oignon frais aussi par-dessus, du citron sur le côté. Et sel, poivre. Avec bien sûr une petite touche d'huile d'olive et de balsamique. Et ici, j'ai fait des petites briques où il y a de la pomme de terre à l'intérieur. Voilà, et je vais faire une petite salade à côté. Ça sent super bon! Et l'éternel recommencement, on va chercher la chérie à l'école. On fait les devoirs avec la petite puce. Or, tu dis bonjour? Coucou. Coucou les filles. Alors... Voyons, voyons ce que nous avons là. Fais voir, chérie. Alors oui,
Or adore les mathématiques. Elle est au CE1 et ça me rappelle un petit peu moi quand j'étais petite. J'adorais tout ce qui était mathématiques. Je peux dire que je suis assez fière d'elle parce que c'est une excellente élève. Ensuite, nous sommes parties toutes les deux. Bon, je ne voulais pas filmer, mais je lui avais promis d'aller lui acheter, vous savez, la petite charrette qu'on achète à Ikea à 3 étages pour pouvoir mettre à l'intérieur tous ces feutres, crayons de couleur. J'avais vu, je m'étais inspirée de Pinterest sur ça et j'avais adoré. La petite avait aimé et me l'avait demandé constamment. Et voilà, enfin mon thé est terminé. Les crayons de couleur viennent aussi d'IKEA. Je ne les ai vraiment pas payés cher. Ils nous proposent comme ces petits pots où on mettra à l'intérieur tous ces crayons de couleur, feutres. Et je suis sûre qu'elles trouveront encore tout plein de choses à rentrer dedans. Ta peinture. Bon, ben pour le coup, elle a bien tout chargé. Il restera ici qu'à mettre ses petits pinceaux. Exact. Qu'est-ce qu'elle nous a mis là? Elle nous a mis ici des marqueurs. Oui. Là aussi. Et là, ça c'est aussi, mes... c'est des stylos, oui, des stylos à paillettes. Alors ça, c'est super joli. Oui, et là, c'est mes feutres. Oui. J'ai encore des feutres. Et encore des feutres. Dis donc, tu en as des crayons, des craies. Des ton craies. Super stylo, fais montrer ton super stylo, chérie. Ici, on a encore une sorte de crayon. De craie. Ouais, c'est des pandas. Des gommes. Des petites gommes en manger. Et ben, t'en as des choses. Oui. Regardez-moi ça. J'en ai profité aussi pour me mettre en mode bricolage. J'ai changé les pieds de mon petit fauteuil que je n'aimais pas puisqu'il n'allait pas avec le fauteuil central du salon. Donc j'avais acheté sur AliExpress des pieds. Vous avez la possibilité de choisir la taille que vous voulez. Donc voilà, je les ai enfin posés. Et c'est beaucoup plus joli au niveau du rendu. Pour celles à qui ça intéresse, je vous mets le lien en barre d'adresse. Les pieds sont très faciles à monter. Tout est déjà dans le paquet que vous recevez. Voilà, on va le faire ensemble. Et voilà, enfin terminé. Voici les pieds de mon fauteuil qui correspondent exactement à celle-ci. Allez, assez parlé, on prépare nos fameuses boulettes. Et Or a décidé de m'aider à éplucher les pommes de terre. Doucement, chérie, doucement. Doucement. On s'énerve pas avec la pomme de terre. La patate, elle va pas être contente. Cette pomme de terre, oh. Tu vois ? Fais montrer. Pour ce soir, on aura besoin de choux, de carottes, de pommes de terre, de céleri et d'oignons. Sans oublier les courgettes. Les pommes de terre et les carottes, je les ai fait cuire dans de l'eau bouillante, puis je les ai écrasées. J'y ai mis du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du curry, 3 œufs, de la poudre de poulet ou un tout petit peu, très très peu de bouillon de poulet. Et de la chapelure. Si vous sentez que le mélange est un petit peu trop juteux, vous devez l'essorer, c'est très important pour que vos boulettes à la cuisson puissent bien tenir. Et voilà le résultat. Vous allez battre 3 œufs dans un faitout. Vous allez y rajouter du sel, du poivre. Vous allez faire de jolies petites formes. Les tremper dedans et les mettre à frire. À la fin, j'ai trouvé avec quoi j'allais faire mes petites boulettes.
de légumes, j'ai fait du riz. Voilà, rien de plus simple. Et puis, comme ils ont été frits, et ben demain, ce sera du verre avec une petite heure. Les filles, c'est délicieux. Sauf que moi, là, j'ai fini tard. Donc, le temps de mettre le lave-vaisselle en route, de débarrasser, d'arranger tout ça, je me suis retrouvée la dernière à manger. Mais qu'est-ce que c'est bon! Allez, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!